Voilà, bonjour Patricia et Christiane. Bonjour. Bonjour Pascal et Christiane. Alors, ce sera aujourd'hui le sixième échange en fait autour entre autres de la communauté de Bethléem. L'échange précédent en fait étant centré de manière plus précise sur l'emprise que peut effectivement avoir une communauté sur ses membres. Emprise dont on avait discuté avec Patricia et Yolande. Alors cette fois-ci, le sixième échange donc, nous souhaitions l'avoir, Patricia et Christiane, autour de deux questions. La difficulté de sortir d'une communauté ou d'un mouvement d'église, de manière plus générale, même si effectivement je pense qu'il y a des points communs entre les différentes communautés et mouvements d'église. Et dans un deuxième temps, ben, pratiquement, quelles sont justement les démarches à entreprendre pour se réinsérer dans la société civile après avoir quitté une communauté ou un mouvement d'église? C'est la question, je dirais, pratico-pratique, extrêmement importante pour des personnes qui souvent se posent des questions et qui ont peut-être peur justement de sortir de leur communauté ou de leur mouvement en se disant mais qu'est-ce qui m'attend dans le monde et comment concrètement rebondir sur mes pieds. Alors, avant de vous donner la parole, je voulais également relayer deux livres, celui de Christiane Bourde. Dans sa main. Voilà, tu es restée effectivement Christiane à Bethléem de 1971 à 1976, donc ça remonte assez loin au point où tu as connu effectivement la fondatrice de Bethléem et donc tu es bien au courant de la manière, je dirais, dont les choses se passaient en interne. Et alors, chose importante, s'il en est, c'est que depuis ta sortie, tu as souhaité te mettre au service précisément des victimes de la communauté, puisqu'effectivement, tu assures l'accueil à l'APRC, qui est l'Association pour une retraite convenable, association spécialisée donc dans la retraite des religieux et prêtres de tous les cultes. Jean, Voilà. panneau. C'est important. Comme Prêt. ça, on visualise Voilà. en un panneau, effectivement, je dirais l'essentiel, même si on y reviendra par la suite. Et toi, en fait, Patricia, tu as vécu donc 15 ans dans la communauté de Bethléem et tu as également écrit un livre, 15 ans dans l'enfer de la famille monastique de Bethléem, avec une préface de Pierre Vignon. Voilà. Donc, je dirais que ma première question à toutes les deux, ce sera effectivement celle-ci. Quelles sont concrètement les difficultés que vous avez pu avoir l'une comme l'autre à sortir en fait de votre communauté et plus largement peut-être au-delà de votre propre expérience par l'écoute que vous avez, par les retours avec d'autres communautés éventuellement et mouvements d'église, qu'est-ce qui concrètement en fait pose des difficultés quand on a été, je dirais, autant de temps parfois entre quatre murs. Moi, je songe évidemment à ces différentes peurs qui sont à affronter, et vous allez peut-être effectivement rebondir sur les unes ou sur les autres, mais il y a quelque part le fait de tout bêtement se dire je sors, maintenant qu'est-ce que je fais par rapport à mon habit? C'est-à-dire que je vais devoir acheter effectivement une paire de chaussures, je vais devoir sortir de mon porte-monnaie quelques euros, je ne connais rien de la vie, du coût de la vie. Retrouver donc ses marques dans la vie, par rapport peut-être aussi à sa famille qu'on a quittée en bon terme ou en mauvais terme, par rapport à ses amis qui n'ont peut-être pas forcément compris non plus qu'est-ce que vous alliez faire dans une communauté et qui vous retrouvent des années après en se disant mais qu'est-ce qui t'a pris et est-ce que ces amis sont toujours là? Quelle est leur attitude par rapport à vous? Vous devez forcément aussi du coup vous prendre complètement en charge alors que vous étiez pris en charge par la communauté et peut-être également sous emprise. La question aussi, c'est que quelque part, la vie dans le monde, elle vous a été présentée de manière extrêmement négative dans la communauté et puis là, pour le coup, vous y retournez. Donc, quelque part, vous êtes à nouveau dans le monde séculier avec ce que ça peut avoir de négatif pour la communauté. Vous avez été complètement déconnecté forcément aussi de l'actualité, les journaux, la télévision, etc. Pour d'autres personnes, ça peut être simplement, pour les personnes étrangères, le fait de se dire ben, je reviens au monde, mais quelle est ma situation de séjour? Donc, ça peut être aussi un gros problème pour éviter la clandestinité. D'autres difficultés, ça peut être des difficultés, je dirais aussi d'ordre psychologique,
J'ai parlé de l'emprise, mais donc du coup, comment rebondir, comment se retrouver face à soi-même et faire ce long chemin de reconstruction de soi. Autre aspect peut-être par rapport à une autre peur, c'est la peur de la communauté elle-même. J'ai quitté la communauté, mais est-ce que la communauté, quelque part, va continuer à me poursuivre, peut-être pas physiquement, j'ai envie de dire, mais peut-être psychologiquement dans votre esprit. Comment fait-on pour se couper concrètement de la communauté? Et alors peut-être une dernière peur, mais qui n'est pas la moindre, je pense, c'est peut-être la peur aussi de se dire, voilà, je pensais être appelé par Dieu dans une communauté en particulier, et j'ai peut-être l'impression de trahir ma vocation, et donc la peur d'aller en enfer. Donc, Christiane, peut-être par rapport à ces différentes peurs, qu'est-ce qui effectivement fait écho en toi? Y a tellement à dire. Je dirais Ouais. que pour moi, ce qui a été le plus long, c'est la reconstruction au niveau psychologique et spirituel. Parce que on ne sait plus qui on est quand on sort, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'on est tellement, on a été tellement sous emprise, on a subi un tel lavage de cerveau que pendant tout un temps, on continue de penser comme si on était dans la communauté. Et puis vient un moment où, tout d'un coup, enfin pour moi, ça s'est fait au bout de 4 ans. Une question se pose et là, on recommence à penser par soi-même. Et du coup, il faut déconstruire en quelque sorte tout ce qui a été fait à l'intérieur de la communauté, plus tout ce qui a été fait aussi pendant l'enfance, pour arriver à retrouver sa propre façon de penser. Et c'est extrêmement long. Personnellement, ça m'a pris plusieurs décennies. C'est ce qu'il y a de plus difficile au niveau purement, comment dire, matériel. Personnellement, j'ai pas eu de difficulté parce que avant de rentrer, je travaillais depuis 5 ans. J'étais bien insérée, j'avais un travail à Paris, j'étais logée, j'avais des amis, je sortais, je m'occupais de scoutisme, etc. Enfin bref, j'étais bien insérée. Et quand je suis sortie au bout de 5 ans, bah, mon Dieu, j'ai retrouvé tout ça relativement vite. Par contre, il y a eu un premier passage où j'ai eu la chance d'être accueillie par mes parents, de ne pas être mise à l'écart ni rien du tout, du fait notamment que papa avait vécu une expérience similaire à la trappe. Et puis, bon, assez vite, j'ai trouvé un travail à la Maison Saint-François à Dinard, qui était à l'époque propriété des Capucins et qui était une maison d'accueil de vacances, donc qui a permis de faire une transition entre Bethléem et le retour dans une vie complètement à l'extérieur, complètement dans le monde, comme on dit. Donc, ça s'est bien passé pour moi. Par contre, très vite, j'ai eu des idées de suicide. Parce que justement, je ne m'y retrouvais pas, parce que c'était très difficile. Mais c'est ça, plus au niveau matériel, encore une fois, pour moi, ça a pas été, c'est pas ça qui a été compliqué. Je suis sortie sans sécurité sociale, sans droit à la retraite, sans argent, sans bon, mais tout ça s'est réglé assez vite. Ouais. C'est Et plus donc, l'aspect psychologique et spirituel. c'est ça. Et donc, en fait, malgré le fait que tu as passé, entre guillemets, seulement 5 ans pour te reconstruire après et pour affronter toute cette peur, c'est extrêmement long, en fait. C'est extrêmement long parce que l'emprise est telle, 5 ans, ça a l'air court. C'est, je le redis, je l'ai déjà dit dans un autre YouTube, c'est une emprise, c'est tellement violent avec un E et avec un A qu'on emporte des stigmates, des suites. Personnellement, bon, j'ai fait une psychanalyse que je continue d'ailleurs, mais qui m'a énormément aidé à me reconstruire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, donc je constate, parce que donc à la PRC, c'est vrai que je suis beaucoup de personnes, je fais le premier accueil à la PRC, donc Association pour une retraite convenable, qui s'occupe de tous les problèmes de retraite des anciens prêtres, anciens religieux et religieuses. Donc on travaille là-dessus et je suis chargée du premier accueil et je constate que la plupart des gens sortent avec ce besoin de thérapie, psychothérapie, psychanalyse, etc. Et parce que c'est la première chose et une des
souvent, d'ailleurs, ce qu'ils font passer avant les problèmes de retraite et avant les problèmes matériels, c'est dénoncer les dérives sectaires dans les communautés. Donc, ils s'adressent à la VREF, ils s'adressent à Sentinelle, ils s'adressent à l'INADFI, à des organismes comme ça pour dénoncer ces problèmes-là, qui sont extrêmement prégnants. Et c'est ça dont il est difficile de se défaire. Parce qu'il y a une déformation, en quelque sorte, du cerveau. Profonde, hein. Oui, il y a un conditionnement absolument énorme qui fait que, quelque part, on se demande qui l'on est et il y a une sorte de vide en fait, existentiel, j'imagine aussi, quand on sort, on se dit, mais je me retrouve dans le monde et comment je m'y prends maintenant, puisque je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il est question de devoir se prendre de A à Z en charge complètement, quoi. Avec toutes ces peurs affrontées. Et du coup, Patricia, en fait, par rapport à ce que j'ai évoqué comme première question, effectivement, quelles sont peut-être les peurs les plus importantes que tu as dû affronter pour oser justement quitter la communauté? Dans la toute première vidéo, j'avais déjà décliné toutes les peurs du monde que j'ignorais, puisque à 12 ans, j'étais rentrée à l'internat et j'ai quitté Bethléem à 35 ans. Donc, moi, sécurité sociale, c'était du chinois pour moi. Donc, je ne vais pas toutes les développer, l'histoire de Pôle emploi que j'ignorais, la CAF, le RSA, tout ça, j'ignorais. Mais ce qui est encore aujourd'hui, c'est en fait la confiance. Parce que moi, on me l'a cassé, mais en beauté. Confiance pour tout, par exemple, et j'ai jamais eu le suivi psychologique parce qu'un psychologue, ça coûte de l'argent. Et moi, et je ne pouvais pas. Et les premières années, je me privais d'aller au médecin, même quand j'étais malade, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir payer. Même si j'avais la CMU, donc Christiane, on est pris en compte au 100%. Mais même en ayant les papiers, j'avais peur d'avoir à payer. Donc, même avec ces papiers-là, je n'allais pas voir le médecin. C'est parce que, la confiance, on ne fait plus confiance, même à l'administration, au papier qui te certifie quelque chose, tu ne fais même pas confiance. Et puis, tu as dit aussi la peur de, si je quitte la communauté, d'aller en enfer. Et je l'avais déjà redit dans une autre vidéo. En fait, pour moi, c'était le déclic, c'était que moi, si je restais à Bethléem, j'allais en enfer. Au-delà de l'appel que je sentais et que je sens encore aujourd'hui, hein, un appel au silence, à la solitude, et voilà, je savais que si je restais, j'allais en enfer. Parce que je sais qu'on est tous humains, on est tous faibles, et on ne peut pas tenir à l'indéfini pendant des décennies à l'intérieur et pas devenir comme elle, quelqu'un de destructeur, et voilà. On n'est pas immaculé comme la Sainte Vierge, on n'est pas Dieu, donc on est humain et à un moment, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je dirais, à un moment, on a le ras-le-bol, la goutte qui fait déborder le verre. Et alors là, on fait la vie impossible à tout le monde. C'est ce que je voyais constamment, surtout les anciennes qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans. C'était, très dur et je ne voulais pas devenir comme ça. J'avais un appel à la sainteté. Et je savais que si je restais à Bethléem, ce n'est pas la sainteté que j'allais avoir, mais j'allais directement en enfer. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû sortir, j'ai dû renoncer à ma vocation. Et là, aujourd'hui, dans le monde, j'essaie d'être moine dans mon cœur, essayer de vivre ma vocation autrement. Oui, mais peut-être que... Attends, je voudrais préciser par rapport à ce que Patricia vient de dire, par rapport aux psychiatres et psychanalystes qui sont trop chers. Quand on voit un psychiatre c'est un médecin, et un psychiatre ça n'est pas uniquement donner des médicaments et soigner des fous, loin de là, très loin de là. Un psychiatre, c'est remboursé par la sécurité sociale. Par contre, voir un psychologue, effectivement, c'est rarement remboursé, moyennant quoi il existe des centres médico-psychologiques où les psychologues sont gratuits. D'autre part, l'État a mis avec le Covid en place des consultations gratuites ou quasi, je crois, de psychologues. Ça existe. Et il existe également, qui a été mis sur pied, je crois que c'est par la COREF, le réseau Simon, qui sont des psychologues qui se sont mis en...
en lien avec la COREF et la CEF, la Conférence des évêques de France, pour aider les personnes qui sortent de communautés et qui ont été victimes, alors d'abus sexuels, mais pas uniquement. D'accord, c'est important effectivement de le finir sur le plan justement pratique. Patricia, tu parlais de la goutte de trop. Est-ce que la goutte de trop, justement, ce n'est pas un moment de se dire je suis en train d'étouffer de plus en plus et que quelque part, au lieu de réaliser ma vocation, je suis en train de me détruire. Et donc, du coup, aussi, par rapport à ça, il y a cette difficulté néanmoins de quitter ce milieu finalement qui est mortifère. Parce que tu ne sais pas forcément comment tu vas être reçu à l'extérieur non plus. Donc, toi, en fait, Patricia, tu étais reçue comment par rapport à ta famille, tes amis, comment tu as pu rebondir? Ça s'est passé facilement, un petit peu comme Christiane, ou bien c'était plus compliqué pour toi? Bon, mes amis, comme j'ai dit avant, à 12 ans, je suis rentrée dans un internat. Donc, tous ces amis du village qu'on avait grandi ensemble en classe, en fait, après à 35 ans, bah, ils sont déjà tous éparpillés, non seulement en Espagne, mais à l'étranger. Donc, et aussi, on ne se reconnaîtrait même plus. Donc, non, niveau relation en Espagne, j'ai personne. Et bon, chez ma famille, voilà, je ne pouvais pas revenir. Donc, voilà, j'ai fait comme j'ai pu en France, mais bon, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et à chaque fois, le Seigneur mettait quelqu'un et pour me faire avancer pas à pas. Tu parlais, Christiane, que les psychologues, c'est gratuit, mais il faut le savoir. Hein. Les psychiatres, pardon, c'est vrai. Oui, mais personnellement, j'ai retrouvé ma famille, oui, mais mes amis, ma meilleure amie m'a tourné le dos, elle a refusé de me revoir, carrément. Je pense que pour elle, j'étais défroquée. C'est un terme qui a beaucoup été utilisé, bon, maintenant qui me fait franchement rigoler parce que c'est ridicule, et franchement, je m'en fiche éperdument maintenant. Mais je peux dire que ça fait très mal quand les gens vous tournent le dos. Et puis, j'ai des cousins qui m'ont tourné le dos aussi. Et d'autant plus que j'ai quatre cousins qui sont rentrés à eux-mêmes à Bethléem après moi, dont trois qui sont restés. Il y en a un qui est parti. Et donc, c'est mal vu dans une famille très catho, très un peu limite intégriste, très à droite, etc. C'est très, très mal vu de sortir de sa communauté. Et il y a des gens auxquels la famille a tourné le dos parce que ça me fait penser à quelqu'un de la PRC. Sa famille, quand il est entré au séminaire, était très fière de lui parce que c'était extraordinaire, c'était une grâce de Dieu, et puis c'était une gloire d'avoir un fils prêtre. Et quand il est sorti, c'était la catastrophe. Et la famille, ben les familles, quelquefois, tournent le dos aux gens. Alors, il y a des familles qui tournent le dos à leurs enfants quand ils rentrent au couvent, mais il y a des familles qui tournent le dos à leurs enfants quand ils en sortent. Il y a les deux, hein. Et c'est dramatique. Bien sûr. Et vous parvenez en fait quelque part à conserver certains liens avec la communauté de Bethléem, ou bien la cassure, la coupure, je dirais, complète, et que du coup la compréhension est complète, ou bien certains dans Bethléem vous disent, mais c'est courageux de votre part, et j'aimerais éventuellement faire pareil, mais je n'y arrive pas encore. Mais vous êtes un exemple, ou bien est-ce que quelque part, tous ceux qui sont Bethléem, je dirais, sont dans l'incompréhension par rapport à votre propre comportement? Personnellement, la cassure a été totale. Je n'ai retrouvé, j'étais sortie en 1976 et je n'ai revu une ancienne de Bethléem qu'en 2003. Et en plus, c'était quelqu'un que j'avais rencontré qui était dans le noviciat l'année précédant mon entrée. Donc, j'avais rencontré sans plus la connaître. Ça a été absolument extraordinaire de retomber sur quelqu'un avec qui je pouvais enfin échanger, avec qui on pouvait vraiment se comprendre. Et on a parlé, parlé, parlé pendant des heures, parce que c'était fabuleux. Mais non, 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 j'ai pas eu de nouveau contact, sinon pour demander ce que devenait ma retraite et des choses de ce genre. C'est ça. Donc, ça reste très clivant finalement. Le chemin que vous avez emprunté n'est pas forcément compris par ceux qui restent en fait. Il y a une sorte d'avant, d'après, et finalement de se dire, ben non, vous aviez la vocation, et vous l'avez trahi, quoi. Patricia, c'est comme ça aussi que tu vois les choses, ou bien tu as encore des contacts, comment ça se passe?
Ah bah, non, 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 de toute façon, quand on part, les sœurs à l'intérieur, elles ne le savent pas, donc je ne vois pas comment elles pourraient nous dire par rapport à notre vocation, le fait de quitter, puisqu'on nous dit, bah, un tel est parti en mission, elle est partie dans un autre monastère, on ne sait jamais vraiment qui elle quitte, donc on ne peut pas garder le lien avec quelqu'un qui est à l'intérieur. Ouais. Le seul lien que j'ai gardé, c'est quand, bah, grâce à Christiane et la PRC, que j'ai dû contacter Bethléem pour mes trimestres non cotisés. C'est le seul lien, mais c'était seulement les hostes, celles qui sont plus haut à Bethléem avec qui on a contact, mais elles disent rien aux autres sœurs. Donc, D'accord, c'est compliqué. Mais pour un petit peu rebondir sur ce que vous disiez, je trouve qu'il est aussi important justement pour que la transition se passe bien en même temps, c'est de se dire que quitter une communauté ou un mouvement d'église, quelque part, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça correspond à votre propre cheminement intérieur, c'est que c'est juste bon pour vous. Et là, peut-être, je voudrais quand même du coup lire le résumé de ton livre, Christiane, dans sa main, où il est dit ceci: peu importe que je me trompe de voie, puisque d'autres chemins s'offrent toujours à moi. Tout est possible à condition que je demeure ouvert au changement, à la réflexion, que j'accepte d'évoluer, quitte à ne plus savoir où j'en suis, quitte à tenter plusieurs chemins. Quels que soient ces chemins, ils me construisent et participent à mon devenir. C'est peut-être ça, en fait, l'essentiel, je dirais, du cheminement de la vie, c'est d'accepter quelque part à un moment donné de ne pas rester dans une situation figée où finalement on est en train de se détruire, mais au contraire de se dire ça ne me correspond plus. Et donc ce n'est pas grave si effectivement pour être fidèle à moi, j'accepte de sortir de ces sentiers battus, de ce qui semble être ma vocation, mais qui quelque part est en train de me détruire. Il faut vivre. Et pour moi, Bethléem, maintenant, je ne regrette pas d'y être passée. Je ne recommencerai pas. Je ne le conseillerais certainement à personne. Mais ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ce que je suis devenue. Quelque part, alors je ne dirais pas que ça m'a construite, mais ça fait partie quand même, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui, incontestablement. Ça a fait bouger ma foi, même si elle est non pas chaotique, mais qu'elle n'est pas conforme au canon de l'Église, loin de là, mais peu importe, elle est mienne. Voilà, je pense que c'est important d'accepter ça pleinement, et mais pas seulement par rapport à Bethléem, par rapport à toute sa vie, et que tous les changements sont utiles, tous les changements nous construisent, font partie de notre vie. Ça ne sert à rien de dire que c'était bon, c'était pas bon, sauf pour le déconseiller à d'autres, hein. Je me souviens d'une de mes cousines à un mariage qui m'a annoncé toute heureuse: ma fille entre à Bethléem. Oh, j'ai eu envie de lui dire sincère condoléances. Je m'en souviendrai. J'étais très gênée, très emmerdée. Et puis en fait, à un autre mariage un peu plus tard, elle m'a dit: ma fille s'est mariée, toujours avec un immense sourire, une immense joie. Là, j'ai pu lui dire bravo. Ouais, c'est ça. Mais non, je ne conseillerais Bethléem à personne, mais pas seulement Bethléem, beaucoup de communautés. Le problème dans toutes ces communautés, c'est de vouloir mettre la main sur les gens, de vouloir recruter à tout prix, de ne pas s'inquiéter de discerner et de ne pas s'inquiéter de respecter la personne et de ne pas respecter la vocation de chacun, qui n'est pas forcément religieuse, qui n'est pas et qui, si elle est religieuse, n'est pas forcément dans les communautés qu'on rencontre et pas forcément avec les mêmes. Non, bien Il y a une sûr. chose que tu as dite tout à l'heure, c'est la peur de la communauté qu'on Oui. continue d'avoir. Et Oui. ça, c'est quelque chose. Bon, moi, ça fait bientôt 50 ans que je suis partie. Pas 50 ans encore, mais enfin, pas loin. Et c'est quelque chose qui est resté pendant extrêmement longtemps. L'impression que la communauté a tout pouvoir, qu'elle est toute puissante et qu'elle peut me faire du mal dans tout ce que je fais. Et je me souviens d'un jour où
Il se trouve que je fais des photos d'églises et j'écris des bouquins sur les églises. Et je voulais prendre des photos à l'abbaye de Beaucain, où étaient à l'époque les sœurs de Bethléem. Elles y sont restées de 1976 à 2011. Je ne sais, parce que ce n'est pas très loin de chez moi. Et que je suis allée les voir deux ou trois fois, et à chaque fois horrifiée, je suis partie en courant. Bref, j'y suis allée, j'avais demandé une autorisation pour aller en clôture parce que je voulais prendre des photos de l'ancienne salle capitulaire qui est très belle, enfin, les vestiges. Et j'y suis allée avec Patrick, mon coéquipier au niveau photo bouquin. J'avais peur, mais j'avais peur à un tel point que j'ai dit à Patrick, qui ne pouvait pas rentrer en clôture, si dans une heure tu ne me revois pas, tu appelles la gendarmerie parce qu'elles m'auront kidnappée. Ouais. C'était il y a une dizaine d'années, donc ça faisait 40 ans à peu près, 30 ans, 40 ans que j'étais sortie, et j'avais toujours cette peur bleue qu'on remette la main sur moi. Et puis, il y a plus récemment encore, 4-5 ans, peut-être moi-même, j'ai eu au travers de l'APRC à aller rencontrer Monseigneur Moutel et je ne sais plus, quelqu'un d'autre à la CEF, à la Conférence des évêques de France, à Ville-Breteuil, pour parler de différents problèmes, essayer de faire évoluer nos relations. Et dans le train, j'ai été prise de panique à l'idée d'aller voir ces gens-là. Et cette panique venait de cette idée de toute puissance de l'Église, etc. Et je suis allée en procédure judiciaire contre la CAVIMAC, la Caisse des Cultes. Et quand on m'a dit que c'était contre la CAVIMAC et pas contre l'Église, ça m'a permis de faire cette démarche. Maintenant, ça me serait égal d'aller faire une démarche contre l'Église. Mais j'avais peur de faire une démarche contre l'Église. C'était impossible, ça m'aurait été impossible, alors que la CAVIMAC, c'est une caisse de sécurité sociale, même si elle est fortement dirigée par le culte catholique qui appartient à tous les cultes, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, anglicans, bref, tout ce qu'on voudra, et qui sont, on trouve des représentants de toutes les confessions religieuses, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, bref, voilà. Mais c'est un petit peu peut-être, Patricia, si tu peux rebondir, c'est un petit peu peut-être comme si le conflit n'était pas tellement contre la communauté ou contre l'Église, mais quelque part, consciemment et inconsciemment, contre Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui est censé vous amener au sein de l'Église catholique et au sein de votre communauté et donc de votre vocation. Peut-être que le fait de renier la communauté, de renier l'Église pour une part, en tout cas de la remettre en question, c'est comme si vous remettiez en question Dieu lui-même. Non. Patricia. Alors, non, je ne remets pas en question Dieu. Dieu m'a appelé, enfin, c'est ce que j'ai cru, Dieu seul le sait. Et c'est des religieuses, j'allais dire un autre nom, mais c'est des personnes qui ont détruit cet appel au moi. Si elle ne l'avait pas détruite et elle savait respecter ce qui est dans la règle de vie, ce qu'on attendait de cette communauté, aujourd'hui, je serais en train de répondre mon appel tel que Dieu me l'avait présenté. Donc, je ne remets pas en question Dieu. Et son appel est toujours dans mon cœur. Et maintenant, comment m'empêcher des personnes de la vivre comme j'aurais voulu, je dois maintenant chercher comment répondre à cet appel de Dieu autrement dans le monde. Mais je ne remets pas en question Dieu. Non, ce que je voulais dire en particulier, c'était que le fait que la difficulté, en fait, ou la peur de quitter la communauté vient peut-être du fait que c'est une peur indirectement de trahir Dieu, puisque la communauté vous dit que vous avez la vocation et que donc, quelque part, si vous quittez effectivement la vocation, vous trahissez Dieu. C'est à ce niveau-là que je veux placer le curseur. Oui, et ça a été... J'étais 15 années à Bethléem, pendant au moins 14 années. C'était peur, enfin, peur ou de la peine, de causer de la peine à Dieu de ne pas être fidèle à ma vocation. Je n'arrivais pas à quitter en sachant que Dieu m'appelait. Je ne voulais pas l'attrister. C'est pour ça qu'à chaque fois, je me disais,
je peux encore tenir un peu plus, je veux continuer à répondre à l'appel. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, non mais attends, Dieu n'a jamais voulu pour moi la torture, ni être triste, il nous a créé pour être heureux. Et c'est à ce moment-là que le déclic s'est fait, je me suis dit, non mais attends, si je quitte, Dieu ne va pas m'en vouloir, je ne vais pas aller en enfer, il ne va pas me quitter, il va toujours rester à mon côté. Mais pendant 14 années, j'avais cette peur que si je quittais, en fait, j'étais infidèle à Dieu. Ça, oui. Oui, c'est ce que je voulais un peu, c'est ce que je voulais effectivement souligner. C'était effectivement ma question dans ce sens-là qu'elle se posait. Et ça me fait penser de fait aussi au témoignage de Xavier Léger, hein, qui était légionnaire du Christ, qui est resté, je crois, une dizaine d'années à la Légion. Et je me souviens toujours de cette parole extrêmement forte qu'il m'avait dite dans le cadre d'un échange et qu'il avait reprise dans son ouvrage, dans son livre, dans son témoignage. C'était de dire qu'il avait beau, quelque part, se sentir complètement détruit de l'intérieur parce qu'en fait, il n'avait plus de vie propre. Il était complètement phagocyté par la Légion, par les choses qu'il y avait à faire. Donc, il n'avait plus de vie intérieure, il n'avait plus de vie de prière, il n'avait plus de vie vraiment spirituelle. C'était un automate. Et malgré tout ça, en fait, il me disait qu'en quittant la Légion, il pensait aller en enfer puisqu'il allait trahir sa vocation. Et c'est ça tout le drame, c'est ça qui est terrible en fait, c'est que au lieu de se dire simplement je vais enfin être fidèle à moi, on se dit je vais être infidèle à Dieu. C'est cette tension insoutenable qui se joue à un moment donné quand on décide de quitter, d'où effectivement aussi cette difficulté de couper vraiment avec la communauté, comme tu le disais, Christiane, parce que quelque part elle reste peut-être dans la conscience, dans l'inconscient, elle reste en surplomb, quoi. Elle vous a, entre guillemets, nourri, même si ce n'est pas sur une nourriture très, très saine. Elle vous a inculqué au quotidien, au jour le jour, à travers toute votre vie monastique. Elle vous a inculqué une série de valeurs, de façons de faire. Vous avez été en contact avec toute une série de sœurs, la supérieure qui vous a dicté quelque part ce que vous deviez faire dans votre quotidien. Donc là, il y a quand même ce qu'on doit penser, comment on doit prier, tout est passé à la moulinette. Il y a plus, on n'a plus aucun libre arbitre. Donc après, il faut tout déconstruire et c'est ça ce qui est difficile. Et personnellement, ce qui m'a fait peur, ce n'est pas de renier Dieu, c'est de le perdre. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et en même temps, peur de le retrouver, les deux. Parce que pendant très longtemps, et je dirais jusqu'à 2005, c'est bien simple, j'ai eu peur de prier. Peur de prier, parce que j'avais peur que Dieu ne me remette la main dessus. On est, comment dire ça? Il faut tout casser. Pour arriver à se retrouver, il faut tout déconstruire, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Il faut tout déconstruire, il faut à la fois ce qu'on a reçu comme éducation quand on était enfant, parce que là aussi, il y a un lavage du cerveau, bon, qui n'est pas du même ordre, mais qui existe. Puis on a en plus le lavage de cerveau de Bethléem, et il faut ensuite déconstruire tout ça et se dire, mais voyons, mais à quoi est-ce que je crois, moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et petit à petit, il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses qui tombent. Des choses qui tombent. Pour moi, ce qui est tombé, c'est non, je n'ai jamais cru en la résurrection, disons-le clairement, même quand j'étais à Bethléem. Et puis, c'est toujours vrai, non. Non, le Christ n'est pas fils de Dieu, enfin, Jésus n'est pas fils de Dieu. J'aime beaucoup Jésus, j'aime beaucoup les évangiles, mais non, pour moi, Jésus n'est pas fils de Dieu. La Vierge, je suis désolée, mais elle n'a jamais été vierge. Mais ce sont des très belles images qui me... je veux dire, j'y crois au niveau, comment dire, symbole. Une certaine forme de résurrection spirituelle, oui. L'attitude de la Vierge lors de l'Annonciation, oui. Mais le reste, non. Donc, il y a eu des moments... pendant des années, hein, parce que ça a demandé des décennies, où je me disais, mais qu'est-ce qui va rester à la fin? Et je me disais, il faudra que Dieu me récupère par le fond de ma culotte, mais il le fera. Cette certitude quand même que de toute façon, il le fera, il me rattrapera par le fond de ma culotte, je ne sais pas où je vais. Bon, ouais, maintenant, ouais. Ça y est, je suis arrivée à un stade où j'ai retrouvé, je peux prier, je prie,
Pas beaucoup, pas longtemps, pas. Bon, je me sens bien dans tout ça et je suis bien avec, avec Dieu, je suis bien avec, non pas la religion, alors ça, les religions, la religion, les religions, alors ça, non, 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 diète. Et par contre, tu disais, Patricia, tout à l'heure, la méfiance. J'ai appris à être méfiante. Je veux dire que maintenant, je ne supporte plus que quelqu'un essaye de me mettre le grappin dessus. Que ce soit une association, une façon de penser. Je pense à un moment où je suis allée à un stage de yoga. Bon, j'avais fait du yoga pendant 2 ans, je ne sais plus, mais une fois par semaine, ben, mon Dieu, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je ne sais plus. C'était pas, je ne sentais pas ça comme une emprise. Par contre, quand je suis allée à un stage de yoga pendant 8 jours et qu'il y avait yoga avant le petit déjeuner, yoga après le petit déjeuner, yoga en milieu d'après-midi, au milieu de matinée, au milieu de, enfin, avant le déjeuner, après le déjeuner, au milieu d'après-midi, etc. Là, je n'ai pas supporté, d'autant plus que c'était accompagné de tout un discours pseudo-spirituel, pseudo, je ne sais pas quoi. Et là, je n'ai pas supporté du tout. Et je ne supporte plus maintenant quand on me dit il faut que tu fasses entièrement confiance, il faut que tu nous dises tout, il faut que, etc. Ça, non. Parce que j'ai été prise à ce jeu-là et je ne veux plus. Et je rencontre des gens qui ont une trouille bleue d'adhérer à la PRC ou d'adhérer à quelque association que ce soit, parce qu'ils ont été pris dans une communauté, notamment les communautés nouvelles, entre autres. Hein. Je pense aux béatitudes particulièrement. Et ils ont été tellement bouffés par cette emprise qu'ils ont une peur bleue de se faire bouffer par une autre secte. Ouais. Et ils disent ça comme ça. Ils ne veulent pas adhérer à quelque chose de nouveau. Il leur faut des années pour accepter ça. Oui. Votre histoire passée, évidemment, quelque part, vous a servi de leçon, mais aussi, quelque part, vous met dans une posture où refaire confiance, du coup, c'est compliqué aussi. C'est ça tout le drame, quelque part. C'est de se dire, ça m'a servi de leçon, donc j'ai des clignotants qui font en sorte que je ne vais pas retomber sous l'emprise. Et en même temps, la méfiance est telle que finalement, faire confiance, à l'inverse, c'est hyper compliqué, alors qu'on a besoin de faire confiance dans les humains. On a besoin de relations saines aussi. Et on ne peut pas vivre, je dirais, entre 4 murs complètement isolés. Donc, il y a cette tension-là entre méfiance et confiance qui doit, à un autre, se résoudre d'une façon ou d'une autre pour quand même essayer de vivre une vie, je dirais, humaine la plus équilibrée possible. Ça induit de la solitude. Et puis, arriver à trouver sa propre pensée et se trouver finalement en électron libre et envoyer bouler ce à quoi on a cru ou ce à quoi on a voulu croire me concernant, ouais. Ça amène beaucoup de solitude et on se demande ben, si on va arriver à s'y retrouver. Hein. C'est pas du tout facile, c'est pas un chemin facile, mais ça se fait. Et comment on fait justement pour se retrouver après cette méfiance qui a été, je dirais... incarné. Deux choses qui m'ont beaucoup aidée au passage, enfin plusieurs choses qui m'ont beaucoup aidée. J'ai trouvé des personnes sur mon chemin qui comprenaient ce que j'avais vécu plus ou moins bien, mais enfin qui comprenaient. À la Maison Saint-François, ce passage donc, que j'ai vécu chez les Capucins, deux prêtres d'ailleurs, avec qui j'ai pu parler librement, mais qui n'ont pas essayé de me mettre le grappin dessus, de me dire « mais si, il faut que tu crois et que je ne sais pas quoi ». Le psychanalyste aussi, ça, c'est très important. Oui, il faut trouver des personnes comme ça qui soient sur le chemin et qui nous entendent et qui nous respectent. Patricia, tu disais que la confiance est quelque chose de très compliqué, mais du coup, tu en trouveras quand même le chemin qui te permettrait de refaire confiance. C'est quelque chose qui est possible, envisageable dans ta vie tous les jours, ou bien pour le moment, c'est encore trop compliqué? Quand c'est cassé, c'est cassé. Comment dire? On peut recoller les morceaux. La blessure, on ne peut pas l'effacer. Il faut refaire un autre vase. Mais je suis un vase cassé qui, comme tu dis, Christiane, il peut y avoir des personnes qui peuvent nous comprendre, qui peuvent nous accompagner. Mais moi, je te dis...
Moi, j'ai toujours en arrière-pensée avec n'importe quelle personne, ça finira par casser. Et il va avoir un coup qui va passer, ça ne va pas durer. Et voilà. Et c'est comme ça, même si apparemment je fais confiance, même si apparemment tout va bien, le sentiment à l'intérieur, c'est et quand est-ce que ça va casser? C'est comme si j'attends que ça, parce que je ne peux pas concevoir à nouveau la confiance. Je m'explique très mal, je ne sais pas si vous voyez. Non, bah si, on voit tout à fait. Mais on était en vase, il a été cassé, on peut le coller, mais il y aura toujours des... Voilà, on ne peut pas refaire un vase tout nouveau comme il était au début. Ouais. Il y a deux choses qui sont intervenues pour m'aider. Je disais, c'est d'une part en 2003, cette rencontre avec, pour la première fois depuis 30 ans après, avec une ancienne de Bethléem, de pouvoir objectiver des choses avec elle et entendre qu'on avait vécu la même réalité au niveau de l'emprise, au niveau affectif, au niveau d'un jeu sadomasochiste entre la prieure et moi-même. Et puis, en 2005, j'ai adhéré à la PRC. Et donc, je suis partie en procédure judiciaire, encore une fois, avec cette peur d'aller contre l'Église, mais c'était contre la Cavimac. Et en fait, la procédure judiciaire, elle a cet avantage d'être strictement basée sur la loi et rien d'autre, d'être strictement objective par rapport à la loi. Elle n'est pas basée sur des sentiments. Mais du coup, ça permet de prendre de la distance par rapport à ce qu'on a vécu pour dire, écoutez, là, au niveau de la loi, il y a telle chose qui n'a pas été respectée, vous n'avez pas cotisé au niveau de ma retraite. Et je vais me trouver en difficulté lorsque j'arriverai à 60, 62 ans. Et ça, ce sont des démarches qui sont difficiles. Hein. Je vois, nous aidons à la PRC beaucoup de gens à faire cette démarche-là, et elle est toujours très difficile parce qu'il faut retourner dans le passé, il faut trouver des témoignages, il faut replonger, raconter de nouveau cette histoire-là. Mais en même temps, il faut l'objectiver, et ça, c'est excellent. Ça permet de prendre de la distance et de se retrouver. Oui, tout à fait. Et Patricia, pour un petit peu rebondir sur ce que disait aussi précédemment Christiane, tu as aussi l'impression quelque part que l'épreuve que tu as vécue au sein de Bethléem, elle a été quelque part une source de changement, c'est-à-dire que tout n'a pas été négatif, mais que ça t'a confronté à toi-même, à tes propres peurs, à tes propres souffrances, éventuellement à ta propre enfance, et que quelque part ça t'a permis d'y voir plus clair et d'être peut-être plus en accord avec toi-même justement, malgré ce vécu difficile, ça a été nourrissant. Et comme j'avais déjà dit avec la toute première vidéo avec toi et au début de mon livre, j'ai cité Piaf. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Et bien sûr, je ne souhaite à personne de vivre même pas 15 années, mais même une seule année avec l'aime. Non, je ne le souhaite à personne. Mais si je n'avais pas été avec l'aime, et je sais, et je l'ai déjà revu dans une autre vidéo, et je sais que je ne parlerai pas à Dieu comme je parle aujourd'hui. Quand j'étais petite, on allait à la messe le dimanche et ça restait là. On avait fait notre prière pour la semaine. Mais moi, aujourd'hui, c'est une vie avec Dieu. Donc, que j'aille me promener, que j'aille faire les courses, que j'aille regarder les étoiles la nuit, ça, je le fais avec Dieu. Et ça, peut-être, je n'aurais pas découvert la prière continuelle si je n'avais pas été avec l'aime. Donc... voilà, j'essaie de regarder plutôt le positif et pas me fixer sur tout ce que Bethléem a détruit au moins. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. C'est une expression effectivement qu'on peut lancer souvent. Mais avant de passer à la deuxième question, vous me faites penser à une autre question, mais qui est aussi finalement essentielle, même si je vous demande d'y répondre peut-être en quelques minutes, on peut être trop long, mais est-ce que vous avez l'impression... que Bethléem au jour d'aujourd'hui a changé, c'est-à-dire est-ce que la communauté est saine ou bien est-ce que vous pensez que ce que vous avez vécu, d'autres peuvent effectivement ou le vivent effectivement encore à l'heure actuelle? La Patricia, tu es plus à même. Moi, je suis trop vieux, je ne suis plus en contact avec elle. Ce que j'en entends, c'est que c'est toujours pareil, parce que quand même, au travers de la PRC, j'ai regardé, je t'ai dit, Patricia, la PRC, il y a eu 20 aujourd'hui,
J'en suis à 20 personnes de la PRC, 20 anciennes, pardon, de Bethléem, qui ont contacté la PRC. Et elles racontent toutes des choses similaires, dont des filles qui sont sorties récemment. C'est toujours la même chose. Alors, il y a eu des changements, bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire que la vie à Bethléem telle que je l'ai vécue entre 71 et 76, c'était une période de transition, et on était surtout en communauté, et après ça, ça a été surtout en solitude. Mais le fondement même, la relation, le jeu sadomaso, l'emprise, c'est toujours la même. Et l'absence de discernement, le mensonge permanent, les petites histoires qu'on nous raconte, tout ça, ça existe toujours et les gens le dénoncent toujours autant. Ce qui a augmenté, je pense, c'est... notamment le discours concernant la famille et concernant les amis qui sont du démon. Moi, j'ai entendu ça, mais c'était le monde est du démon, ce n'est pas ta famille est du démon. Tandis qu'il y a des femmes qui sortent aujourd'hui et à qui on a tellement dit ça, je pense à une fille qui est étrangère, hein, qui est revenue dans son pays et qui n'a pas voulu reprendre contact avec sa famille tellement elle était persuadée que sa famille était du démon et qui a préféré dans un premier temps mendier plutôt que de faire appel à sa famille. Ça va jusque-là. Ça, je n'ai pas connu à ce point-là. On sent qu'il y a des choses qui ont empiré, plutôt empiré. Empiré, oui. Ouais. C'est toujours l'idée quelque part que les autres ne veulent pas comprendre et que du coup, ils vont vous dévier de votre vocation si vous ouvrez en fait à eux, hein. C'est le discours qui est dû. Surtout, ne dites pas ça à vos familles. Ouais. Ne dites pas ça à personne, parce qu'ils ouais. ne comprendraient pas. Bah oui, c'est là, ça. C'était le grand terme utilisé. Ils ne comprendraient pas si vous leur parliez de telle ou telle chose. Quand on parlait de l'hexagoresis, quand on parlait de, enfin, je ne sais pas, de différentes choses, ils ne comprendraient pas. Ne leur dites pas ça. C'est la culture du secret, mais du coup, aussi ouais. de l'isolement et de l'enfermement, quoi. Ouais. On est dans une communauté privilégiée. Par rapport aux autres, oui. Elles sont toutes privilégiées, en fait. Oui. Mais je voudrais dire quelque chose parce que. Et donc, il y a une sœur qui vient de quitter Bethléem tout récemment. Donc, elle a vécu les visiteurs apostoliques, le chapitre général, elle a tout vécu, tout ce qui s'est passé. En fait, elle vient de quitter. Elle nous dit que maintenant, ça n'a fait qu'empirer. Maintenant, c'est la secte pure et dure. C'est pour ça qu'elle a quitté. Et au chapitre, donc, elle a entendu une sœur dire, vous vous rappelez le communiqué à la croix que les sœurs avaient sorti, demandant pardon et tout le reste. Bah, cette sœur-là, donc, elle a dit à ses sœurs au chapitre, elle a entendu elle-même, on a fait ça pour que celles qui sont dehors ferment la bouche. Elle a entendu de ses oreilles. Alors moi, jusqu'à décembre dernier, que j'ai rencontré les sœurs pour des démarches, mais j'y avais cru que ça avait changé. Mais maintenant, je suis comme tout le monde, comme toi, Pascal, comme tout le monde. Vous êtes dehors, je suis dehors, donc je ne peux voir que la façade que nous avons montrée avant, quand j'étais à l'intérieur, on montrait une façade aux gens de l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, moi, je suis de l'autre côté, je suis à l'extérieur. Donc, même après 15 années à Bethléem, je me suis fait avoir mais une beauté. Mais ça a été encore la trahison qui a bouclé les trahisons que j'ai eues avec Bethléem. Parce que je me suis fait encore avoir par elle. Avec des mots, mais super gentils. Elle pleurait presque en me disant qu'on est vraiment désolé de tout ce que tu as écrit. Une des deux que j'avais rencontrées, elle avait lu mon livre. Elle me l'a dit. Elle pleurait presque. J'y ai cru, mais je vous jure, j'y ai cru qu'elle changeait. Et voilà. J'ai reçu ma claque monumentale, je me suis dit, imbécile, mais tu ne vas jamais comprendre que ça ne peut pas changer, en fait. Et non, et la preuve, c'est que cette sœur qui vient de quitter Bethléem récemment, elle confirme avoir entendu de la sœur que j'ai eue devant moi, devant décembre, elle a dit à ses sœurs, on a écrit les documents, les communiqués à la croix, pour que celles qui sont dehors se taisent. Non, mais attendez, je n'ai pas de mots, je préfère pas continuer, je n'ai pas de mots. Mais je pense que, comme beaucoup de communautés,
Quand elles sont remises en cause par l'Église, hein, ce n'est pas le cas uniquement de Bethléem, mais c'est aussi le cas des sœurs d'Israël et de Saint-Jean, ou bien des sœurs de Saint-Jean, enfin des communautés qui sont remises en cause par l'Église, par les évêques, c'est de se croire victime de l'Église et que ce sont elles qui ont la vérité. Donc, en façade, effectivement, elles vont demander pardon, elles vont dire qu'elles ont eu tort, etc. Mais profondément, elles sont persuadées que ce sont elles qui ont raison et que c'est leur chemin de sainteté, que c'est à ce point-là. En fait, ça remet peut-être aussi en question leur existence propre, évidemment, en se disant, mais si on se remet en question, jusqu'où on va aller? Un petit peu comme sur le plan individuel, quand on se remet en question, jusqu'où je vais aller dans ma remise en question. À un autre niveau, la communauté peut aussi se dire, mais jusqu'où je vais devoir aller si effectivement je remets en question la communauté, son fonctionnement, sa fondatrice. Bien sûr. C'est la même question qui se pose finalement à plusieurs niveaux. On en arrive du coup maintenant à la seconde question de notre échange. Souvent, en fait, je l'ai entendu, les sœurs sortent par la porte de derrière. On l'a dit, effectivement, il n'y a pas vraiment une reconnaissance qui est faite de leur souffrance. Et on leur demande de prendre la porte de derrière pour justement ne pas faire de tort à la communauté. Mais elles quittent du coup sans travail, sans ressources, parfois après avoir laissé l'héritage, avoir fait des dons. Donc concrètement, quelle démarche entreprend-on pour justement se réinsérer dans la société après avoir quitté une communauté, parfois après des dizaines d'années, le cas échéant sans diplôme? Et là, peut-être, je voudrais, en filigrane, Christiane, si tu veux bien, reprendre ce guide pratique que tu as rédigé, donc de la personne qui quitte sa communauté religieuse, du point effectivement certains points, je dirais pratico-pratiques. Tu peux un petit peu nous dire, de fait, sur le plan pratique, comment fait-on? Alors, ce guide pratique, vous le trouvez notamment sur le site de la PRC. Je l'ai écrit avec mon expérience d'assistante sociale. J'ai fait ce métier pendant 25 ans et avec l'expérience que j'ai des gens qui sortent de communauté pour dire les premières démarches qui sont à faire et qui sont importantes. Je veux dire, des choses aussi simples que ouvrir un compte en banque, mettre à jour ses papiers d'identité, notamment pour les étrangères, parce que j'ai eu connaissance de femmes qui sont restées, notamment à Bethléem, sans qu'on revoie leur titre de séjour, alors qu'elles étaient rentrées en France avec un permis de 3 mois, et puis qui se retrouvent expulsables et qui sortent de communauté sans titre de séjour valable. Et pendant qu'elles étaient dans la communauté, il y en a une... Quand elle allait voir le médecin, on lui disait de donner le nom d'une autre sœur pour obtenir le remboursement de sécurité sociale parce qu'elle n'avait jamais été déclarée puisqu'elle n'était pas en règle au niveau du droit français. Comment demander un avis d'imposition, parce que ça fait partie c'est souvent demandé dans les démarches, comment demander un relevé de carrière pour savoir où on en est au niveau de sa retraite, comment demander le RSA, bref, il y a tout un tas de démarches à faire, donc je décris ça de façon très aussi exhaustive, aussi simple que je peux dans ce document qu'on trouve donc sur le site de la PRC. Il suffit que dans le moteur de recherche, vous tapiez « guide pratique », vous allez arriver dessus après un petit texte d'introduction, on va dire. Mais je vois des gens qui sortent, alors pas de Bethléem, mais qui sont sortis en habit. Je pense que quelque part, ça devait être une façon pour les communautés, pour la communauté d'origine, de punir la fille de cette femme, de la dissuader de sortir, de la laisser sortir en habit avec en plus, je pense, pour une un habit particulièrement voyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle a fait toutes ses premières démarches en habit parce qu'elle n'avait rien d'autre et je lui avais dit qu'elle pouvait aller voir, prendre rendez-vous avec quelqu'un du Secours catholique ou du Secours populaire ou autre pour avoir des vêtements, mais elle n'osait pas faire cette démarche et elle a contacté quelqu'un de sa famille qui lui a envoyé des vêtements civils par la poste. Mais donc, elle est restée pendant un certain temps sans habit civil. J'en connais une autre qui a taillé son premier habit civil dans son habit religieux. Donc, c'est quand même particulièrement énorme. Il y a des gens qui sortent avec un ticket de métro, qui sortent avec 50 euros, avec 5 euros. Et puis après ça, démerdez-vous, démerde-toi, ma fille.
Et puis, on se retrouve. Alors, il y a le problème financier immédiat, de logement immédiat. Bon, la plupart trouvent, ont connaissance des autres communautés religieuses et tapent à la porte de communautés religieuses qui acceptent de les accueillir pendant un temps de transition, gratuitement ou contre un petit service ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ce qui est bien, heureusement. Et puis, je pense aussi au pape, pour dire jusqu'où va peut aller la misère, hein, qui a mis sur pied à Rome une maison d'accueil pour les religieuses qui sortent de communautés, parce qu'on s'est aperçu qu'il y en avait qui ne trouvaient pas d'autres moyens pour vivre que de se prostituer. Et ça, c'est quelque chose, c'est une information qui est parue, alors je ne sais plus si c'était dans La Croix, dans La Vie ou dans quoi, c'est quelque chose de très réel, je veux dire, ça va jusque-là, c'est, la détresse peut être immense. Je parlais tout à l'heure de cette fille qui mendiait quand elle est sortie de sa communauté. Bon, et puis il y a le fait qu'on se retrouve. Bon, personnellement, j'ai eu de la chance parce que j'avais travaillé, j'avais fait une formation avant, j'avais un diplôme. Bon, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas terminé leurs études avant d'entrer au couvent. Mmh. Ou qui n'ont pas fait d'études du tout, comme toi, Patricia, ou pratiquement, et qui, quand ils sortent, n'ont pas idée de ce qu'ils valent, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles peuvent annoncer comme compétences. En fait, elles en ont, mais il leur faut faire un bilan de compétences, un bilan de quelque chose, parce qu'elles ne savent pas comment se vendre, en quelque sorte, ce qu'elles peuvent proposer. Alors, elles vont aller proposer, elles vont dire, j'ai fait des études de théologie. Ben oui, mais à 20 ans, faire quelque chose avec des études de théologie, ça me fait doucement rigoler. Hein. C'est un peu coriace, quand même. Et puis, elles sont sorties sans expérience. Donc, ben, par exemple, je pense à une fille qui était kiné. Elle est sortie de Bethléem avec son diplôme de kiné, oui, mais elle n'avait pas exercé, elle n'avait jamais exercé. Et en plus, elle avait quitté le couvent, elle avait quitté la vie du monde pendant 15 ans et son diplôme n'était plus à jour. Il fallait qu'elle remette tout ça à jour. Il y a tout ce problème-là. Et puis, il faut s'inscrire à Pôle emploi. Et comment faire? Et que dire? Et que proposer? Et comment expliquer le trou qu'on a dans son curriculum vitae? Est-ce qu'on a été en prison? C'est un peu ça. Des difficultés extrêmement concrètes auxquelles se heurtent ces gens qui sortent de communauté. Et encore une fois, toute cette difficulté psychologique en même temps, cette peur du monde, cette peur de sa propre famille, un désarroi complet et le besoin très vite de thérapie, de se faire aider parce qu'on est complètement déboussolé. C'est ça. Il y a des démarches administratives, Patricia, que Christiane vient de rappeler, mais ces démarches administratives, évidemment, elles demandent quand même pas mal d'énergie, elles demandent d'être justement, je dirais, entre guillemets, en forme. Or, quand on sort d'une communauté, on est parfois complètement détruit. Comment toi, t'es-tu senti, je dirais, intérieurement, psychologiquement, c'est une sorte d'humiliation que de devoir quitter la communauté. Tu t'es senti dans quel état d'esprit, en fait, en quittant? Et quand j'ai quitté Bethléem, ma décision était prise à moi, et en tout cas consciemment, et moi je partais en paix. Je n'avais pas de regrets, je ne me disais pas ma vie est foutue, je vais finir avec ma vie, non. Et je savais que je voulais aimer Dieu et qu'au monastère ce n'était pas possible, donc je devais partir. Mais ça a été extrêmement difficile, tout ce que Christiane vient de dire par rapport au papier de marche. Déjà, ouais. Je ne pouvais pas faire une démarche à la sécurité sociale puisque je ne connaissais même pas l'existence. Je ne pouvais pas faire une démarche à Pôle emploi, ni au RSA, ni rien, parce que j'ignorais l'existence. Une quittance de loyer, mais j'ignorais. Je pensais que tu te mettais en accord avec une personne et tu logeais chez lui. Je savais qu'il y avait tout ça. Mais moi, et dans mon cas, moi, donc, quand j'ai quitté, j'étais à Lourdes. Donc, j'ai avalé des messes et des messes et des messes et des messes assises à la grotte de Lourdes. Et donc, moi, mon but, c'était de repérer les personnes qui habitaient Lourdes, pas les pèlerins, pour avoir des amis, commencer à me faire amis, parce que je savais que celle n'irait aucune part. J'étais sur la planète Mars. Et il me fallait avoir des amis.
Donc, j'ai repéré, en quelques jours, j'ai repéré des personnes qui n'étaient pas de passage, qui étaient des lourdes, et j'ai essayé de les approcher, de parler un peu. J'étais timide, mais je me suis dit, si tu ne le fais pas, rien ne va pas se faire, puisque la personne est d'autre. Donc, c'était difficile, mais il fallait le faire. Et donc, j'ai quitté le 7 décembre, et avant Noël, j'ai connu déjà une personne qui, en parlant avec elle, m'a dit, tu sais, il y a un poste qui se libère, Palloir des Sanctuaires. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le premier travail en quelques semaines. Et donc, je lui ai dit, voilà, que jamais j'avais eu un entretien d'embauche, si elle pouvait m'accompagner. Bon, au début, on me regarde, personne ne t'accompagne à un entretien d'embauche. Mais elle a accepté. Et donc, c'est à l'entretien d'embauche, c'est bien passé. Donc, j'étais prise. Donc, on m'a dit, il faudra que tu nous donnes un RIB. Et j'ai dit, un RIB. Et donc, celle qui m'accompagnait m'a dit, je t'expliquerai. C'est dans ton compte en banque. J'ai dit, non, mais je n'ai pas de compte en banque. Je n'ai pas besoin de compte en banque. Parce que je veux que mon argent soit dans la main. Moi, je ne veux pas qu'on le mette dans ma banque. Après, c'est le problème de la confiance qu'on a déjà cité. Et ça a été tout le temps comme ça. Après, elle m'a bien aidée. Après, c'est par une autre personne. Elle m'a mis en relation avec une autre personne qui m'a accompagnée à Pôle emploi et une autre m'a accompagnée à un autre endroit. Et c'est comme ça, petit à petit, que le Seigneur a mis à chaque fois une personne. Mais sinon, j'aurais ignoré comment demander un emploi. J'aurais ignoré tout. J'ai découvert tout au fur et à mesure. Il y a une question que je me pose. Pardon, Pascal. Précise juste une chose. Et alors qu'à ce moment-là, il y en avait qui avaient quitté au même temps que moi Bethléem, et elle les avait confiées à des personnes de Lourdes qui étaient propriétaires d'un hôtel, elle les logeait, elle les apprenait comment s'apprivoiser dans le monde, elle apprenait tout ça. Et moi, ça a été rien. Ça, c'est une chose que fait notamment le réseau Véro. Le réseau Véro, je les ai rencontrés, je travaille quelquefois avec eux, c'est le dernier petit carré là. Ouais. Elles ont simplement, c'est pas une association, c'est un réseau qui a été mis en place par une fille qui a fait un temps au Carmel et qui a compris la difficulté de sortir de communauté. Elle contacte les communautés et elle propose les services pour les gens qui sortent. Il y a des communautés qui lui envoient des personnes qui sortent, qui sont encore en excrustration, qui sont encore en permission d'absence ou qui viennent juste de sortir, ou des gens qui sont sortis depuis plus longtemps. Et elle les aide dans des choses très extrêmement concrètes. Ça peut être effectivement une démarche administrative, mais c'est aussi prendre un bus, prendre un ticket de bus, aller au cinéma, sortir dans la rue, enfin des choses bête, aller trouver des vêtements dans un commerce, parce que on débarque. Tu parlais de la planète Mars. Oui, effectivement, quand on est dans une communauté religieuse, on est sur une autre planète. Et puis il y a une autre chose que je voudrais dire qui est quand même extrêmement importante, c'est que les sorties se passent mal, bien souvent, mais normalement, et là je ne cracherai pas sur l'Église, loin de là, la COREF et la CEF ont édité en 2013 des notes canoniques qui portent sur comment doit se passer une sortie de communauté. Et elles prévoient qu'une communauté doit remettre à la personne qui part un certain nombre de documents comme une attestation de présence qui est importante au niveau administratif, qui doivent leur dire quelles sont les cotisations retraite qui ont été versées pour elles, qui doivent les informer sur les droits au niveau sécurité sociale, parce qu'elles sont couvertes par la CAVIMAC tant qu'elles ne sont pas affiliées à une autre caisse. Qui doivent leur fournir des ressources financières pendant un certain temps. Dans ces notes canoniques, il est question de 6 mois, 1 an, il n'y a pas de durée précise qui soit indiquée, mais je connais un ancien trappiste qui a aidé comme ça pendant 3 ans pour refaire une formation, se mettre à son compte, etc., et qui a été remarquablement bien suivi, ce qui est malheureusement loin d'être la majorité des cas. Il est prévu que l'aide soit de l'ordre du SMIC,
Donc, c'est quand même pas rien ce qui est préconisé. Le problème, c'est que les communautés ont été informées de ces notes canoniques, c'était en 2013, et qu'elles l'ont oublié aussi sec. Je pense au père Dismas de la SUS qui a contacté la PRC à un moment pour savoir comment aider une personne qui lui demandait comment faire. Et puis, ben, je lui ai rappelé tout simplement ces notes canoniques. Il est allé voir dans sa bibliothèque, elles y étaient. Sauf qu'il avait complètement oublié qu'elles y étaient. Alors bon, lui, c'était un oubli et il a fait ce qu'il fallait. Par contre, il y a des communautés, même quand on leur met ces notes canoniques sous le nez, qui ne veulent pas le savoir. Et puis, il y a aussi le service accueil médiation de la Conférence des évêques de France. J'y ai envoyé plusieurs personnes. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est devenu à l'heure actuelle, je n'ai pas eu de nouvelles récemment, mais qui ont fait avec certaines personnes du bon boulot pour obtenir pour elles des indemnités par rapport à ce qu'elles avaient vécu. Alors c'est surtout par rapport au non-respect du droit canonique. Par exemple, je pense à une femme qui est restée pendant 20 ans dans une communauté religieuse sans jamais faire profession perpétuelle. Ce n'est pas du tout le droit canonique, ou des noviciats qui ont duré beaucoup trop longtemps, ou une absence d'aide à la sortie. Le SAM est intervenu et les aides n'étaient pas du tout négligeables, puisqu'elles étaient, je dirais, entre 7 000 euros et 35 000 euros, de ce que j'ai vu. Donc, pas négligeable, pas forcément suffisante, mais c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que donc, les communautés ne veulent pas toujours connaître tout ça. Et puis il y a une autre chose qui existe, qui a été mise en place par l'Église et par la CAVIMARC, c'est l'ACR, allocation complément retraite, qui est une prestation complémentaire quand la retraite est trop faible. Alors là, ça concerne les gens qui sont en retraite et que les retraites, que les retraites sont trop faibles. Donc c'est un peu plus intéressant que les minima sociaux qui sont donnés par les fonds publics. C'est pas miraculeux non plus, mais bon, c'est quand même déjà mieux. Donc on peut dire quand même qu'il y a une certaine conscience quand même de l'Église de ce genre de problème, tout en, très honnêtement, tout en nous crachant dessus. Mais la PRC a beaucoup, beaucoup travaillé pour faire évoluer les choses, notamment cette ACR, et a dénoncé, et la VREF aussi a beaucoup dénoncé de choses. Oui. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas évidemment les premières à quitter votre communauté. Et on a quand même l'impression que malgré les années que vous avez pu donner à la communauté, une fois que vous décidez de partir, en réalité, la communauté ne vous aide d'aucune utilité. Elle ne vous aide pas justement à faire cette transition entre la vie monastique et la vie du monde. Comment vous expliquez, en fait, j'ai envie de dire, pour le coup, ce tellement peu d'humanité de la part d'une communauté qui est vraiment de charité? Je ne suis pas sûre que ce soit comme ça. Parce que j'ai eu, encore une fois, je suis en contact avec un certain nombre de filles, de personnes qui sortent, et notamment de Bethléem, et qui se sont plutôt plaintes d'être harcelées par Bethléem, d'être harcelées, d'avoir des coups de fil à toute heure du jour et de la nuit, pour n'importe quoi. Mais par contre, de recevoir de l'aide au compte-gouttes, je dirais un bout de saucisson par-ci, un bout de saucisson par-là, mais qui se sont plaints d'être harcelés. Parce qu'il y a quand même aussi, de la part de ceux qui partent, une peur bleue de rentrer en contact avec cette communauté qu'on a connue. Je vois les gens que j'ai envoyés vers le SAM. Le SAM propose une négociation et propose dans cette négociation d'être présent à une rencontre entre la communauté et la personne qui est partie. Eh bien, jusqu'à présent, je n'ai pas vu une seule personne partie accepter cette rencontre, mais dire « vous négociez avec la communauté, moi je ne veux pas être là, j'ai trop peur de les voir, trop peur », j'insiste sur le mot. Oui, on est de nouveau dans ce que Patricia nommait la méfiance qui est devenue effectivement un vrai problème en soi parce qu'on a été quelque part floué. C'est pas que de la méfiance. C'est il y a un lien affectif tellement pervers qui se noue. Tu es d'accord avec moi, Patricia? Je dirais après ça. Pervers qui se noue, dont on commence à prendre conscience quand on est sorti, et qu'on ne veut
n'a peur de retrouver. Et tu te rappelles, Christiane, je suis passée au SAM, puisque c'est toi et Catherine qui m'aviez aidé pour tout préparer. Ouais. Et donc, c'était une année et demie, je crois, ou deux années peut-être, après que j'ai quitté Bethléem. Mm-hmm. Quand vous m'aviez informé que le SAM s'est passé avec c'était un évêque, les sœurs et moi, j'étais tétanisée. Je n'ai pas pu accepter voir une sœur devant moi. Et tous les moi, j'étais tétanisée. J'ai commencé à vomir en raccrochant le téléphone. J'ai commencé à vomir. Je ne dormais pas. J'étais pas d'appétit, pas de sommeil. Et je tremblais. J'étais tétanisée seulement de penser à ça. Ça s'est calmé un peu quand on m'a rassurée en me disant que non, que les sœurs ne seront pas là. Ça se passera avec ces deux sœurs qui ont fait la médiation. J'étais en lien avec elles. Avec voilà. Marie Guillet. Oui, Marie Guillet, oui. Très bien. Oui. Marie Guillet, très bien. Et elle m'a dit, non, t'inquiète pas, enfin, ne vous inquiétez pas, mais non, vous ne verrez pas les sœurs, vous n'aurez pas encore contact. Et ça m'a un peu calmée, mais savoir que ce que j'écrivais ou le courrier que j'envoyais allait aux sœurs, même ça me faisait trembler. Et le SAM respecte cette demande des personnes. Oui. Je ne les ai jamais vus refuser qu'il n'y ait pas cette rencontre avec la communauté. Et vraiment, ça, c'est général, hein, enfin, de ce que j'ai vu. D'accord. Et Pascal, quand tu as dit, si on n'est pas surprise par le peu d'humanité à la sortie, oui. En fait, je ne suis pas surprise parce que... Je ne suis pas surprise parce que ce manque d'humanité, en fait, je l'ai vécu pendant 15 années. Ce qu'on a vécu à l'intérieur, ce n'est pas humain. Mmh. Et je ne peux pas désirer, même à la personne que j'aime le moins au monde, et vivre 15 années comme j'ai vécu. Ça, je ne le souhaite à personne. Et ça, ce n'est pas humain. Je ne peux même pas dire que ce n'est pas évangélique, que ce n'est pas dans l'amour de Dieu, ça, c'est trop loin. C'est beaucoup plus bas. C'est simplement pas humain, ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, sortir... que ce n'est pas humain, la façon dont on nous fait sortir, non, ça ne me surprend pas, puisque c'est ce qu'on a vécu à l'intérieur. C'est extrêmement pervers. Voilà. Ouais. Oui, mais extrêmement pervers. Je pense que tu as raison de le rappeler, Patricia, ce n'est entre guillemets que la suite logique de ce qui a été vécu au sein de la communauté, et que donc finalement, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de sain en sortant, puisque quand on y était, ce n'était pas sain non plus. Donc, il n'y a aucune main tendue pour vivre, évidemment... dans le monde après avoir vécu sous l'emprise dans une communauté. Je ne sais pas si vous souhaitez éventuellement encore ajouter un élément important qu'on n'aurait pas évoqué par rapport à notre Est-ce qu'on parle de la retraite en elle-même, de la loi de 78? Oui, je t'en prie, disons un mot, c'est important. Alors en fait, il y a une loi qui a été votée en 1978 de généralisation de la sécurité sociale à tous les Français. Donc, c'était vraiment une volonté du gouvernement. Et il y a un volet spécial qui a été voté concernant les prêtres et les religieux, qui dit tout ministre du culte et tout membre de congrégation ou de collectivité religieuse doit, s'il n'est pas affilié à une autre caisse, l'être à la caisse des cultes. Donc, si on n'est pas affilié à une caisse de sécurité sociale, comme le régime général, la MSA, bref, etc., on doit être affilié à la CAVIMAC. La CAVIMAC, c'est la caisse des cultes, a pour origine, parce qu'au début, elle ne s'appelait pas CAVIMAC, mais CAMAVIC, etc., enfin bref, il y a toute une histoire, elle a été créée suite à cette loi de 1978, et la PRC est née à cette même époque, en 1978, pour défendre les droits à retraite. Au départ, c'était pour les prêtres, les anciens prêtres. Le problème, c'est que l'Église catholique, qui est la grande responsable de cette histoire, a joué sur les mots par rapport à la loi. Ah, il était question de ministre du culte et de membre de congrégation religieuse ou de collectivité religieuse. D'une part, les collectivités religieuses, ça ne nous concerne pas, a dit l'Église catholique. Ça ne concerne que les autres religions, nous, on ne s'en préoccupe pas. Donc, membre des congrégations, on est membre que quand on a prononcé des premiers vœux. Donc, toutes les périodes qui précèdent les premiers vœux, on les passe à l'as, on ne cotise pas, ça coûte cher, ça coûte, enfin, c'est très relatif, hein, le coût est cher, franchement, par rapport aux cotisations sociales qu'on paye pour les autres caisses, ça n'a rien à voir.
Donc, sont passés sous silence pour Bethléem, notamment les codes de vie, qui est sans durée précise, le postulat qui, depuis la réforme du droit canonique, n'a plus non plus de durée précise. Il y a pré-postulat, moi évangélique, pré-postulat, code de vie, postulat. Bon. Ensuite, le noviciat est cadré, mais à Bethléem, on le dépasse souvent. Le postulat est cadré par le droit canonique qui dit 2 ans maximum avec une extension de 6 mois si on n'est pas très sûr. Le problème, c'est que donc, par exemple, à Bethléem, on peut arriver à 10 ans, 12 ans, 15 ans sans faire profession, voilà, oui. Première profession, et que pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de cotisation. Dans d'autres communautés, on appelle ça stage, on dit que les gens sont étudiants, ou bien on les déclare, alors jusqu'à 26 ans pour les déclarer étudiants, sauf que ça n'ouvre aucun droit à retraite. Bon, la Cavimax s'est insurgée, a fait un procès à une communauté sur ce point-là et elle a gagné parce que ben, c'était pas légal. Quelquefois, la Cavimax fait son boulot. Il y a des communautés qui déclarent leurs membres au pair. Alors, on est au pair comme ça, indéfiniment, déclaré ben, à minima. Mais la déclaration à minima fait que, bon, ben oui, on a des droits à sécurité sociale, maladie, mais qu'au niveau retraite, ben, sur ce relevé de carrière, on a 1 ou 2 trimestres validés par an. C'est le cas, par exemple, du Verbe de vie, ou de la famille Saint-Joseph, ou des foyers de charité. Bon, les foyers de charité, on rectifie le tir et on fait en sorte qu'il y ait 4 trimestres validés, mais quand même à minima. Récemment encore, alors j'ai vu un autre truc là qui vient de nous arriver, qui m'a laissé pantoise, une fille qui reste rentrée dans une communauté, elle n'a jamais fait profession, et on l'a déclarée comme salariée de sœurs anciennes auxquelles il fallait apporter des soins, alors tantôt l'une, tantôt l'autre, et tout ça pour, alors tout à minima, de façon à ce qu'elle ait sa couverture maladie. Mais elle n'a pas un seul trimestre validé et la Cavimac ne la connaît pas. Et tout ça, sous couvert éventuellement des évêques. Je pense aux béatitudes qui ont été fondées en 1973 et qui n'ont été affiliées à la Cavimac qu'en 2001, c'est-à-dire 27 ans plus tard. Et ben, y a des gens qui sortent des béatitudes avec des trous monumentaux dans le relevé de carrière. Bon, on a aidé ces personnes, certaines de ces personnes, à aller devant les tribunaux. On a gagné. Donc, parce que pendant tout un temps, depuis 2005, on a mené avec la PRC une centaine de procédures judiciaires, plus de 100 procédures judiciaires, dont 40 jusqu'en cours de cassation, et j'ai fait partie du tout premier. On a gagné. On gagne toutes les procédures, ce qui n'est pas toujours le cas quand on passe par un avocat, et on fait tout ça gratuitement. Donc, je conseille fortement aux gens de s'adresser à nous. Bon, moyennant quoi, on a un problème qui est d'âge. Ouais. Parce que ben, l'association vieillit, qu'il faut absolument qu'on ait des jeunes qui prennent la relève et qu'on ne va pas pouvoir tenir le rythme ben, qui nous est demandé au niveau justement d'aide pour les retraites. Ça, c'est un problème. Mais donc, il y a des communautés qui font absolument n'importe quoi. Et puis, on aide les gens à aller vers le SAM, on aide les gens à aller vers la VREF, à aller vers le réseau Véro, à faire valoir leurs droits. Et à demander des aides pour les sorties, à récupérer des héritages, parce que ben, c'est une chose qui n'a pas été dite, mais je vois par exemple une fille qui a été pendant 25 ans, je crois, dans un Carmel. Elle avait reçu un héritage pendant qu'elle y était. Et quand elle est sortie, la communauté lui a dit « bon bah écoute, on va te rendre cet héritage, mais 5 000 euros par 5 000 euros, et puis bah, ça te suffira ». Sauf que ça n'est pas une aide à la sortie, comme le prévoit la COREF, hein, pas du tout, puisque c'est quelque chose qu'on devait lui rendre, et on le lui a rendu, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans après que cet héritage ait été versé à la communauté, sans aucun intérêt. C'est pas mal pour la communauté hein, de récupérer cet argent-là et de le garder. C'est ouais. Pas mal. Enfin, voilà, la retraite, c'est tout ça. Et ouais. Il faut se battre parce que quand il manque des trimestres,
que ce soit des trimestres de probation, postulat, noviciat, école de vie, comme à Bethléem, ou que ce soit des années à l'étranger aussi, que ce soit en Europe ou hors d'Europe. Ça fait des trous monumentaux dans les relevés de carrière. Il manque des trimestres. Et tous les trimestres manquants coûtent 1,25% de baisse sur tous les droits pension quand on arrive en retraite, avec un maximum de baisse de décote de 25%. Mais imaginez une retraite amputée de 25% sur tous les droits qu'on peut avoir, que ce soit régime général, fonction publique, MSA et autres. C'est une catastrophe. Donc les gens éventuellement peuvent travailler plus tard, mais encore faut-il en avoir la capacité. Moi, ce qui me fait penser évidemment au fait que finalement, ce que vous dites, c'est un petit peu quelque part que quand on rentre dans une communauté et dans les quatre murs, quelque part, on rentre dans une zone de non-droit. Oui. Voilà. Et quand on en soit, effectivement, ce n'est pas la communauté qui va nous donner nos droits, c'est la société civile qui va effectivement réclamer à la communauté ce qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait. Et donc là, on est effectivement, du coup, à nouveau, je dirais, en porte-à-faux par rapport à ce qu'une communauté digne de ce nom serait censée faire. Donc voilà, je propose peut-être d'en terminer par là et de vous remercier Christiane Porte et Patricia Blanco pour notre échange qui était pour le coup, j'ai envie de dire, extrêmement pratico-pratique parce que c'est important aussi de ne pas simplement, je dirais, parler de foi, d'évangile et de Dieu, mais aussi de toutes ces personnes qui ont été détruites dans leur vie pour avoir effectivement cru à une vocation. Au sein d'une communauté et qui en sortent effectivement non seulement détruites, mais pour le coup éventuellement extrêmement isolées à la sortie sur le plan affectif, mais aussi isolées sur le plan financier, comment effectivement se reconstruire affectivement et financièrement dans sa vie pour que la vie ne soit quand même pas, je dirais, totalement achevée avec la sortie, mais qu'elle puisse effectivement au contraire rebondir pour se reconstruire et avoir le goût de vivre encore, j'ai envie de dire simplement, le reste du temps qu'il reste à vivre à chacun et à chacune d'entre nous. Donc merci pour cet entretien. Merci Pascal. Merci à toi Pascal. Merci Christian. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci.